今天我蓦然回首，来时的路，山川水浮云共同拥有。为你拦着我的世纪拯救，与你相爱别无他求。你给我的诺亚方舟，你给我的甜蜜外露，你给我的希望自由。爱河的天空挂满彩虹，闭上眼我听见微风细雨共缠绵，我祈求睁开眼能再见你我容颜，谁知道谁在远，我依然披星戴月，我生命的源泉有你把我弄甜，红颜有你把我弄甜，红颜来时的路，山川水浮云共同拥有。唯有你能将我的世界拯救，与你相爱别无他求。你给我的诺亚方舟，你给我的甜蜜温柔，你给我的希望怎够？大雨和天空。Cette semaine, j'avais envie de chanter en chinois ici à Lyon parce que je reviens de Shanghai. Je suis revenu lundi et je me suis dit avec Guillaume du Kotopo, on va essayer de chanter un petit peu en chinois à Lyon, voir ce que ça donne. Donc, je suis très content que vous soyez là ce soir, ça fait très plaisir. Je sais que beaucoup parmi vous ont un petit lien avec la Chine. Peut-être vous avez appris le chinois avant, vous avez peut-être tout oublié déjà. Voilà, donc c'est l'occasion d'écouter quelques chansons en chinois, puis bien sûr je chanterai quelques chansons en français aussi. Voilà, la prochaine chanson s'appelle Ô ma chérie, 我真的爱你。
誓言都一眼飘远散。我想着你们一直爱着你，现在却成双了。Le décalage horaire. Il y a à peu près 7 heures entre la Chine et la France. Donc, en fait, moi j'ai débarqué à Shanghai en 2000, première fois au travail, j'ai appris le chinois en 6e. Et la première fois que j'ai débarqué à Shanghai, en fait, l'idée c'était de faire de la musique. Alors j'ai chanté en français, mais bon, les Chinois à l'époque, ils ne connaissaient pas trop le français à Shanghai, donc j'ai eu l'idée de faire quelques chansons en chinois. Et ça fait à peu près 14 ans que je fais ça, voilà. Donc, je chante en chinois en Chine, c'est mon boulot. Donc voilà, quand je dis ça à mes parents, qu'est-ce que tu fais comme boulot, bah, je chante en chinois en Chine, voilà. C'est mon boulot. Donc je viens, ça fait 3-4 ans que je reviens chaque fois à Lyon, et... je trouve qu'il y a de plus en plus de choses culturelles qui existent entre la France et la Chine. Et d'ailleurs, si je suis au Kotopo aujourd'hui, c'est parce que c'est un lieu qui permet à plein de Lyonnais d'apprendre le chinois, par exemple. Et combien de langues ? On en propose 35. 35 langues. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre des langues, eh bien, vous pouvez venir ici. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, en fait, c'était de venir dans un endroit qui est d'abord culturel, parce que moi, en fait, je fais de la musique d'abord pour apprendre la culture un petit peu chinoise, et puis aussi de le faire partager avec vous. Donc peut-être que vous ne comprenez rien à ce que je raconte en chinois, mais c'était juste pour aussi... C'était trop clair. C'était très clair. En même temps, c'est des chansons d'amour, donc bon, en général, à Shanghai, c'est des jolies filles qui sont dans le public. Alors, il y a des très jolies filles ce soir, c'est pas la question, mais voilà, des jolies Shanghaïennes qui sont là et qui écoutent ces chansons d'amour parce qu'elles aiment beaucoup les chansons d'amour en Chine. Et la France représente un peu le romantisme, voilà, encore là-bas. La prochaine chanson s'appelle I Still Love You, c'est un thème en anglais, mais le corps de la chanson est en chinois.
Chine, en général, pour voyager, on prend l'avion parce que c'est immense. Hein, c'est toujours, tu avoues. Et donc, je suis allé à peu près dans 100 villes en Chine, centaines de villes, beaucoup plus que le nombre de villes où je suis allé en France. Et donc, en fait, ça permet de s'apercevoir qu'en Chine, il y a énormément de... Enfin, il y a plusieurs Chines, il n'y a pas juste une Chine. On a l'impression qu'on visite dans un... On visite un pays avec plein de styles différents. Donc, si vous allez visiter Shanghai, ou si vous retrouvez au centre de la Chine, à Xi'an, par exemple, ou dans le nord, dans le Dongbei, où il y a de l'influence un petit peu russe, bon, c'est des sentiments tout à fait différents. Donc, c'est des chansons que j'ai écrites au fur et à mesure de ma vie en Chine. Donc, quand je suis arrivé en Chine, j'étais jeune, hein, j'avais 22-23 ans, et maintenant, 14 ans après, bah, voilà, j'ai toutes ces chansons qui sont ici. Et que je chante, alors un coup en français, un coup en chinois, un coup en anglais. Alors la prochaine chanson s'appelle Xianzai, ce qui veut dire maintenant. Vous vous en rappelez ? Xianzai, 我只感觉你不在, 我只感觉你我的未来. 没有了以前那么光亮，没有了以前的期待。现在感觉谁都不呼吸，感觉永远不在一起，不敢考虑到明天会离开的那一天。 Quand on était sur une scène, là, en fait, les Chinois, ils ont l'habitude de parler. Hein, ils ont l'habitude de parler pendant qu'on chante et qu'on joue. Et en fait, quand je suis arrivé en Chine, j'ai commencé à jouer, tout le monde qui parlait, qui faisait du bruit, en fait, c'était vraiment la manière de faire là-bas. Et il y a une Française qui allait donner un récital de piano en Chine, donc elle a commencé à faire son récital de piano classique, et il y avait du bruit dans la salle. Elle a commencé à pleurer, parce qu'elle, c'était quelque chose qui vraiment la touchait, quoi. Mais, ça, c'est une différence culturelle, en fait, c'est que le bruit, ça ne dérange pas. D'ailleurs, à Shanghai, on vit dans une ville où il y a plein de bruits différents, pour ceux qui connaissent peut-être. Et donc, il y a une sensibilité, une sensation différente. Et justement, là, moi qui fais de la scène, et bien, c'est vrai que le public est différent. C'est-à-dire, pendant qu'on joue, les gens parlent, ben, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Donc, si vous voulez, la prochaine chanson, ben, vous pouvez parler entre vous. Faire comme si je n'existais pas, ça n'est aucun problème. Ok.
fait, je vais avoir besoin de vous. Alors, pour ceux qui parlent chinois, ça va être plus simple. Pour ceux qui ne parlent pas chinois, eh ben, il va falloir apprendre un petit peu. Alors, c'est une chanson qui s'appelle « Zhongguo de Fagoren », ce qui veut dire « Le français de Chine ». Voilà. Pourquoi le français de Chine? Parce que quand je suis en Chine, mes amis chinois, ou les chinois en général, pour ceux qui connaissent bien la Chine, en général, quand on est français, on nous pose plein de questions. D'où tu viens? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, plutôt que de répondre à chaque fois de manière un petit peu, on va dire, simple, pas drôle, ben j'ai fait une chanson en fait, qui explique ce que je fais en Chine. Voilà, donc c'est une chanson qui est assez longue, c'est du slam, mais il y a un refrain qui fait comme ça. Donc j'aurais besoin de vous pour ça. Donc à chaque fois qu'il y a ce refrain, vous essayez de chanter les voix, plus comme on est tous super nombreux là, ça va être excellent. D'accord ? Zhongguo de fa guo ren, ok ? Ça va, oui, c'est facile. C'est facile, hein ? Ouais. Par contre, faut savoir quand. Oui, c'est vrai. Zhongguo, pardon. Vous êtes allé dans combien de villes en Chine? Une dizaine. Ouais. Porto, Beijing, Chengdu, Chongqing, Changchuan, Baguio, Dalian, Hangzhou, Luoyang, Harbin, Hunan, Hangzhou, Hanko, Jinan, Nanchang, Jinan, Chengdu, Sanya, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Wuhu, Wuxi, Xuzhou, Xikang, Xi'an, Zhengzhou, Zhejiang, Shanghai, Shenzhen, Sanya, Xikang, Xi'an, Xuzhou, Guangdong, Beijing, Chengdu, Chongqing, Changchuan, Dangdong, Fuzhou, Dingzhuan, Xinan, Hangzhou, Xiaochen, 东南西北去穿梭，我都去过，我都享受过，我都了解过。 Ça veut dire je suis venu en Chine en l'an 2000. Parce qu'en fait, j'avais un petit challenge que je voulais faire quand je suis arrivé en Chine, c'était passer à la télé. Donc pour passer à la télé en Chine,
Et ben j'ai fait une chanson qui disait que la Chine était super bien. Voilà. Donc j'aime la Chine, je suis avec, c'est bien. Voilà. Et donc cette chanson m'a permis en 2005 de passer à la télé. Voilà. Donc je vais vous faire la version française et puis à la fin je parlerai un petit peu en chinois. Voilà, toujours en jet lag. Vous pouvez parler entre vous en attendant. Yeah.
Et c'est trouvé la réponse à notre
fait, c'est savoir si le plus important, c'est le processus ou si c'est la destination. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le plus important pour vous? C'est le chemin, c'est la destination. Ça dépend. C'est vrai qu'en Chine, pour beaucoup de Chinois, ce qui est important, c'est le chemin, plutôt que la destination. Voilà. Bon, après, chacun a sa réponse. Et voilà, c'est aussi dans mes chansons, j'essaye de comparer un petit peu les philosophies qu'on peut avoir en France ou les philosophies qu'il peut y avoir en Chine. C'est aussi intéressant. La prochaine chanson s'appelle Eden de Shanghai. De l'Asie, je rentre en France pour 11 heures de ski.
s'imagine un Français de Chine. Tout s'imagine un Français de Chine. Tout s'imagine un Français de Chine. Ma petite France, c'est vrai, je t'aime quand même. Avec tes coups de gueule et tes mirages. Ici, on compte sur son travail et ses efforts. Ça rend les hommes un peu plus sages. J'ai écrit des lignes en tour et en jambes. Pour les amis français, ça sonnait comme un coup de bombe. Histoire qu'on fait un peu la chanson française. Un peu ça va les pousser d'une France en l'air. J'ai l'orgueil du gars qui a vu autre chose. Juste dire qu'il y a plus à vivre et à faire. Que de penser la retraite, la sécu, le foot. Faut livrer autre chose, y'a pas de la bière. Tu s'imagines pour un Français de Chine. Tu s'imagines pour un Français de Chine. Moi je suis en Chine, c'est la vision qu'on peut avoir sur la France. Des fois on va critiquer plein de choses, puis en fait on s'aperçoit qu'on aime beaucoup son pays. Voilà, donc c'est une chanson sur ça. La prochaine s'appelle Liu Xiaoxu Qiu. Thank you.
vous voyagez beaucoup, mais en fait, cette chanson s'appelle Yosha Shugoching. Ça veut dire que lorsqu'on va quelque part, on laisse beaucoup de sentiments, beaucoup de sensations. Donc c'est à chaque fois qu'on voyage, qu'on va, peut-être si vous voyagez dans des pays ou pour les vacances ou autre, si vous avez été expatrié, chaque fois que vous voyagez, vous avez quelque chose qui se passe. Alors moi, j'écris des chansons, ça me permet d'avoir une inspiration. En fait, c'est une chanson sur ça, en fait. Ça permet vraiment à chaque fois qu'on va dans des endroits de se sentir vivant. Voilà, c'est ça, en fait. Et à chaque fois, on laisse un peu de sentiment dans les endroits où on va, et en même temps, on prend de l'énergie pour aller plus loin. Il y a 2 ans, je jouais au foot à Shanghai, et je me suis cassé la jambe, et j'avais à peu près le pied à 45 degrés, comme ça. Ouais. Ça s'appelle trimaléolaire. Donc, je suis allé à l'hôpital en Chine. À Shanghai. Ah ouais. Ouh, ouais. Il faut attendre. Il faut attendre. Ouais, c'est vrai qu'il fallait attendre. Parce que devant moi, il y avait une dame qui avait le doigt coupé. Donc, c'était plus dangereux, plus grave que moi, en fait. Et donc, j'ai connu un petit peu la douleur en Chine parce que justement, je me suis fait opérer là-bas et c'était assez folklorique parce que juste avant qu'on fasse l'opération, j'étais allongé. Et en général, les Chinois, quand on leur parle en chinois et qu'ils aiment bien. Être amis avec nous, et souvent on me dit ah, est-ce que tu as un numéro de téléphone, tout ça. Donc dans la vie courante, c'est assez marrant, mais sur la table d'opération, on m'a demandé mon numéro de téléphone. Voilà. Ouais, au cas où tu pars plus tard. Ouais, quand t'es là, c'est plus chaud, voilà. Tu pars, non. Non, bon, voilà, je me suis retrouvé sur la table d'opération à donner mon numéro de téléphone juste avant d'avoir l'opération. Voilà. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que la prochaine chanson, en fait, c'est une chanson sur justement la difficulté, c'est-à-dire qu'on est en général très content et très heureux d'avoir quelqu'un qui nous aide lorsqu'on a des difficultés. Votre petit ami, vos parents, votre femme, le chirurgien. Voilà. Donc cette chanson s'appelle « Yoni zai wo shen bian », ce qui signifie « Il y a toi qui es à côté de moi ». Ouais, il y a toi qui es à côté de moi. Ouais, c'est ça. C'est pas bien.
fond pour ce soir. Voilà. Numéro 3. Et à ce moment-là, chantez super fort le refrain avec moi. Comme ça, ça me permettra, moi, d'avoir une super vidéo. Ok? Vous êtes d'accord? Ouais. Pardon? On peut envahir l'espace scénique. Vous pouvez, ouais, vous pouvez tous venir devant, hein, comme ça, vous serez dans le... Vous voulez? Non. Non. Super sympa. Non, mais on va faire ça très classe. Très classe. Par contre, le refrain, faut bien le chanter super fort, ok? Oui. Ok, on essaie de faire le cœur. Tu nous redis les paroles. Les paroles, c'est. Facile. Tungguo de Farolen. Tungguo, c'est Chine de Farolen. Le français de Chine. Les français de Chine. Allez. Oh,
等欢迎来到北京，欢迎来到中国，这片土地让我已经清晰，想在这里生活。越来越多的人可以听到我的音乐创作，我唱自己听的，周围的人觉得有这样的想法真是不可多得，创在公司让你见我，每天一直问我那你喜不喜欢中国、哦、我唱点别再放点主要点点唱不能唱出我可重视的，我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。包头北京成都重庆长春大东大连福州贵阳哈尔滨呼和浩特杭州海口济南南昌南京南宁苏州三亚上海深圳武汉无锡徐州西康西安郑州淄博釜山人人苏州三亚西安西安徐州包头北京成都重庆长春大东福州北京西安大东小镇东南西北去穿梭，我都去过，我都享受过，我都了解过，真正的友谊让我确实有梦想，跟生于一条路同样的脉络，我都有朋友，我都留下过情，我都爱过，我是中国的我是在中国的法国人，我在中国的法国人，c'est une blague pour les Chinois, mais bon, ouais. Y a une 句话说上有天堂下有苏杭，我有一首歌叫上有天堂下有戴笠。Parfait. Pas mal, hein? Ouais. Tu peux traduire, tout le monde? Au-dessus, il y a paradis, en bas, il y a Dandès. Ah, ah ouais, c'est donc... Je m'attrape un peu, non? Ouais, c'est pas drôle, t'as passé en Chine, c'est super drôle, mais... Vous n'avez pas pu le savoir, c'est le français qui se donne. 摇滚之父一无所有，让我们建筑新中国，音乐是我们的方向，艺术是我们的理想，教导你学习即世界，因为里面有个梦想，我们大家把个方向，上有天堂下有带量，你与我共同的理想，上有天堂下有带量，来人将会出现在你手上，是我反击是抑郁是我
抓动生育带来满满的分享，信仰抗超越的力量，前所未有与众不同。把你背这样上来上来力量，把你背这样每个地方就保佑comme ça ici. La dernière fois, c'était plus une conférence-concert, et là, j'avais envie d'essayer dans un endroit comme le Potopo. Merci beaucoup d'être venu, c'était très privé, très sympathique. Voilà, merci. Merci, 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 merci